Bienvenue à Stavropol. La plus belle, plus longue et plus historique avenue de notre ville est l'avenue Karl Marx. Et voilà la porte de Tiflis au lac de Triomphe. Ici commence la route vers le Caucase. On a été construit en 1841, détruit en 1930 et reconstruit en 1998. Dans l'entrée principale, vous pouvez voir l'image de Dieu comme la bénédiction avant un long voyage. La montagne d'Ansang est située dans la partie historique de notre ville. En 1777, ici, on a édifié la forteresse imprenable. Elle a été un tour pour protéger les frontières du sud de notre pays. Le chef militaire, Suvorov, l'a vérifié une bonne préparation militaire. Notre ville a passé les années difficiles de la Deuxième Guerre mondiale. Elle a été en occupation quelques mois en 1942 en 1943. Le monument du soldat est le symbole reconnaissable de notre ville. Il a été reconstruit en 1976 pour célébrer la libération de la ville des Russes blancs et comme le symbole de toute la guerre. Il est situé sur la terrasse panoramique. C'est l'incroyable vue sur la ville. Le monument d'Ange Gardien se trouve sur la place Александровская и force tous les passants de se rappeler la spiritualité, les actes corrects et les miracles. Si vous regardez un ange, et faites en vous, il se réalisera. C'est le plus vieux théâtre du Caucase, on a été fondé en 1845. Autour du théâtre, il y a un grand square. En 2020, on a été édifié au monument André Djadoyev. Il a été le dirigeant de notre ville et l'a fait beaucoup pour Stavropol. Voilà le musée. C'est la quatrième plateforme de Toulupi qui présente notre histoire inhabituelle. Avec les technologies modernes, vous pouvez plonger dans les événements historiques, les batailles, les guerres mondiales, etc. Добрые тратят дела, и все лучшее взяв из былого. Молодые и новые веют ветра, и в твою Ставрополь. C'est la plus grande fontaine musicale, avec les lumières, le grand orchestre sur le 30 mètres. Il a été ouvert en septembre 2018. Stavropol est la plus verte ville de notre pays. Il y a beaucoup de squares, parcs et jardins. Et voilà plein d'eau. C'est le parc central le plus vieux. Pouchkine, Lermontov et Kribledov l'ont visité plusieurs fois. Trois arbres sont nommés par leur nom. Encore une belle place, c'est l'étang Komsomolski. Il a été créé pour la consommation d'eau dans le secteur de la vie. Aujourd'hui, c'est un espace de loisirs préféré pour les jeunes peintres. Stavropol est la ville des croix et le Dieu garde cette ville, garde les gens. Venez à Stavropol. À bientôt.